Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et que tout se passe bien. C'est ça surtout. Alors, toujours avec mes petites portes de l'éveil, on va voir si on a quelques cartes qui tombent. Il n'y a rien, je pense qu'il va falloir que j'aille les chercher aussi. Privilégies-tu le parcours ou l'objectif? Donc ça, c'est le chakra racine. Alors, si on se base par rapport à cette carte, je pense que je voulais que je vous l'avais précisé dans une vidéo précédente par rapport au but. Des fois, quand on a un but qui est trop gros, qu'il faut aller petit à petit, eh bien, ben là, c'est exactement la même chose. Le but, c'est l'objectif, le parcours, c'est le chemin que vous faites. Et en fait, c'est pas le but le plus important. C'est vraiment le parcours que vous faites qui est important. Parce que c'est le parcours qui vous fait grandir. Ce n'est pas forcément le but final. Parce qu'à partir du moment où on a un but, une fois qu'on l'a, comment je veux dire, enfin, qu'on y arrive en fait à ce but, c'est parce qu'on a parcouru un chemin. Et ce chemin, en fait, c'est lui qui vous a fait grandir, hein, qui vous a fait évoluer. Donc, alors après, c'est pour moi, attention, hein. Moi, je préfère privilégier le parcours que l'objectif. Dites-moi ce que vous en pensez et vous, ce que vous voulez privilégier. Plutôt le parcours ou plutôt l'objectif? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.